Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une petite brassière, donc taille 3 mois au tricot. Donc pour réaliser cette petite brassière, donc il vous faudra deux pelotes de laine de couleurs différentes. Donc moi j'ai pris du gris clair et du blanc. Donc c'est une pelote qui se tricote en 3,5-4. Il vous faudra ensuite donc une paire d'aiguilles 3,5, un mètre à ruban donc pour mesurer au fur et à mesure, une paire de ciseaux, quatre petits marqueurs, c'est pour nous repérer donc l'emmanchure, trois petits boutons donc pour pouvoir fermer sur le devant donc la brassière et une aiguille donc pour coudre. Donc pour réaliser cette brassière, normalement 100 g de blanc, enfin d'une couleur pour faire la base donc de notre brassière suffit. Et 50 g, je pense que ça devrait suffire donc pour faire les bords d'une autre couleur. Mais vous pouvez prendre aussi 100 g pour être sûr d'en avoir assez. Donc pour commencer, je vais prendre donc moi ici mon gris. Je prends donc mes aiguilles 3,5. Et je vais venir monter 46 mailles. Donc cette brassière est de la même forme environ donc que la première que j'ai déjà réalisée donc en couleur beige. Mais on va venir changer donc le point et on va venir aussi rajouter donc des petits boutons à la place des lanières. Donc je prends ma laine grise, je prends donc mes aiguilles 3,5 et je viens monter donc 46 mailles. Donc je prends assez de fil pour pouvoir venir monter toutes mes mailles. Donc je pense que 1 mètre, 1 mètre 50 devrait suffire. Donc et je viens monter 46 mailles. Donc une, deux, trois, 4. Donc les 46 mailles montées, on va venir tricoter simplement donc au point mousse. Donc le point mousse, c'est très facile, c'est tout à l'endroit. Donc je pique à l'endroit et je viens tricoter donc tout à l'endroit. Le rang suivant, on va venir aussi tricoter tout à l'endroit. Et on va venir donc tricoter comme ça, donc tout à l'endroit au point mousse pendant 3 cm. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 3 cm donc de point mousse. Voilà. Donc maintenant, je vais couper mon petit fil gris. Et je vais venir prendre donc ma laine blanche. Donc, c'est très facile. On va simplement venir avec nos ciseaux, donc couper le fil, mais on prend de la marge pour pouvoir rentrer le fil dans la couture après pour que ce soit plus propre. On vient prendre notre fil blanc et on va venir simplement donc tricoter avec notre fil blanc. Vous pouvez faire un petit nœud si vous le souhaitez après, donc avec les deux fils, pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc pour faire un nœud, c'est tout simple, on va venir faire le petit nœud d'abord. Comme ça, on est sûr que ça ne bougera pas. Voilà. Et ensuite, donc je viens tricoter avec donc mon fil blanc et je vais venir effectuer donc le point de riz. Donc le point de riz, il est très facile. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et ainsi de suite donc sur tout le rang. Et quand on termine par exemple par une maille à l'endroit, on reprend par une maille à l'endroit. Donc je vais vous montrer. Donc une maille à l'endroit. Je passe mon fil devant, une maille à l'envers. Je passe mon fil derrière, une maille à l'endroit,
une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je continue donc ainsi de suite sur tout mon rang. Donc, je termine mon rang, donc une à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. Donc, on termine notre rang par une maille à l'envers. Donc, le rang suivant, je vais reprendre également par une maille à l'envers. Et on va continuer à répéter donc ces deux rangs, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons 13 cm de hauteur totale. Donc, je ne vous cache pas que le point de riz, il est très long à faire. Donc, cette brassière mettra peut-être un peu plus de temps à tricoter que la précédente. Parce que comme c'est une maille endroit, une maille à l'envers, et surtout, il ne faut pas se tromper. Mais bon, après tout, le tricot, c'est un loisir. Et on a le temps, donc, tranquillement. Donc je vais continuer mon point de riz et je vous remonte donc quand je serai arrivée à mes 13 cm de hauteur totale. Voilà, j'ai réalisé donc mes 13 cm donc au total. Maintenant, on va venir faire simplement une diminution au début et à la fin du rang. Donc pour pouvoir marquer donc l'emmanchure. Donc on va prendre deux petits marqueurs et on va venir donc faire une diminution. Donc c'est très facile. Ici, bien sûr, il faut faire attention parce que comme on va enlever une maille, il ne faut pas se tromper pour continuer à faire donc le dessin de point de riz. Donc, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On va venir prendre la maille qu'on a tricotée à l'endroit, donc la première maille, et on va la passer par-dessus la seconde. Donc, désormais, notre rang, donc sur le devant, on va le commencer donc par une maille à l'envers, vu qu'on a enlevé la maille à l'endroit. Ensuite, je termine donc mon rang normalement. Et au début du rang suivant, on va venir faire la même chose. Donc pour l'instant, je termine mon rang normalement. Donc je termine mon rang. Une maille à l'envers. Voilà. Donc comme j'ai terminé mon rang, je vais venir ici donc mettre un petit marqueur donc sur la maille que nous avons rabattue. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez tout simplement utiliser un bout de fil de laine ou même un trombone. Ça ne va pas rentrer. Voilà. Donc, je mets mon petit marqueur. Et ensuite, donc ici, on va venir faire donc notre deuxième diminution donc pour l'autre côté, car comme vous aurez compris, on a commencé la brassière donc par le dos. Donc on vient faire la même chose. Donc comme on est sur l'envers et qu'on a terminé par une maille à l'envers, on va venir donc commencer par une maille à l'envers,
une maille à l'endroit. Et la première maille, donc celle qu'on a tricotée à l'envers, on va passer par-dessus celle qu'on a tricotée à l'endroit. Et bien entendu, donc on fera attention que ici maintenant, on commencera notre rang donc par une maille à l'endroit et non pas par une maille à l'envers. Et ensuite, donc on reprend notre rang normalement. Faut surtout bien faire attention aux mailles à l'endroit, aux mailles à l'envers, donc pour garder toujours bien donc le point de riz. Et bien sûr, quand vous aurez terminé donc votre rang ici, on va venir placer, donc vous pouvez même le placer maintenant, un petit marqueur donc pour repérer notre emmanchure. Voilà, et je continue mon rang donc normalement. Et on va continuer donc à tricoter au point de riz jusqu'à ce que nous ayons une hauteur totale de 20 cm. Donc là, ici, on va tricoter 7 cm de plus. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter donc mes 20 cm donc de hauteur totale. Donc une fois que vous avez terminé de tricoter donc ces 20 cm, on va venir simplement rabattre les 22 mailles centrales donc pour former l'encolure. Donc pour former l'encolure, on va venir d'abord tricoter 11 mailles. Ensuite, on va rabattre 22 mailles et on va tricoter les 11 mailles suivantes. Donc, je vous montre. On va simplement venir donc tricoter les 11 premières mailles, toujours en respectant donc le point de riz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc voilà mes 11 mailles. Maintenant, on va venir en rabattre 22. Donc pour rabattre les mailles, vous n'êtes pas obligé de respecter donc le point de riz. Vous pouvez tricoter tout un endroit et rabattre. De toute façon, ça ne se verra pas. Donc, on va venir rabattre 22 mailles. Donc, on en tricote d'abord 2. On prend la première et on passe par-dessus la deuxième. On a rabattu une maille. On en retricote une. On passe par-dessus la deuxième. On a rabattu 2 mailles. Et ainsi de suite jusqu'à temps que nous avons donc rabattu 22 mailles. 4, 5, oups, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Vingt et un et 22. Et pour être sûr, donc on a bien rabattu le nombre de mailles, il doit nous rester donc 11 mailles ici, en comptant bien sûr celles sur l'aiguille gauche, droite, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je suis parfait. Et ensuite, donc je reprends. Donc si tout va bien, on reprend par une maille à l'envers notre rang normalement. Et voilà. Donc pour former, donc on voit ici l'encolure. Donc maintenant, on va laisser en attente donc les 11 premières mailles qu'on a tricotées. Vous pouvez les mettre sur un arrêté de mailles si vous le souhaitez, ou vous pouvez tout à fait les laisser sur votre aiguille, c'est pas gênant. Et on va venir donc tricoter donc la première partie du devant. Donc uniquement sur ces aiguilles ici. Donc pour réaliser donc la première partie du devant, pour le moment, on va venir effectuer donc une diminution pour avoir donc un petit arrondi au niveau de l'encolure pour que ce soit plus joli. Donc je vais venir tricoter mes mailles normalement. Voilà, et au rang suivant, donc on va venir faire notre petite diminution. Donc comme on est au point de riz, la diminution, donc on va devoir prendre en même temps, donc non pas deux mailles, mais trois mailles. Donc on va diminuer d'un coup de trois mailles. Donc je vais vous montrer. Donc on tricote la première maille à l'endroit car c'est une maille à endroit. Et la maille suivante, donc les trois mailles suivantes, on va les tricoter ensemble à l'envers. Trois mailles d'un coup, comme ceci. Et on reprend donc nos mailles suivantes normalement. Et on va venir maintenant donc réeffectuer deux rangs donc normalement. Donc là, je suis sur l'envers du travail. On va venir effectuer trois rangs, pardon. Donc là, j'en ai fait un premier et on va venir en refaire donc deux autres. Donc les deux autres rangs, donc bien sûr, c'est pour former l'épaule. Donc là, je vais retricoter deux rangs normalement. Donc on fait toujours bien attention à bien suivre donc le point de riz. Voilà, donc là je suis sur l'envers, donc je viens retricoter un dernier rang donc pour être sur l'endroit de mon travail.
Voilà. Donc voilà ce que vous devriez obtenir. Donc ici, je suis bien sur donc l'endroit de mon travail. Donc, et maintenant, on va venir simplement effectuer donc des augmentations côté encolure uniquement, donc pour faire donc le col en V du devant. Donc pour les augmentations, quand on se trouve donc comme ceci, donc là, ça sera l'endroit, donc ça va venir se poser ici devant. Donc on va venir tricoter d'abord la première maille à l'endroit normalement. On va venir piquer dans la maille du rang suivant et on va venir la tricoter à l'envers, car comme je commence sur une maille en droit, il faut que je fasse une maille envers. Donc je passe mon fil devant, je viens prendre le fil donc de la maille du rang précédent et je viens la tricoter à l'envers. Comme on est sur du point de riz, il faut que je fasse une augmentation donc deux fois pour toujours avoir le dessin. Donc je repasse mon fil derrière, je reviens prendre un fil du rang précédent et je viens tricoter la maille suivante donc à l'endroit comme ceci. Et ensuite, on vient reprendre donc notre point de riz normalement. Donc ici, je reprends une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite, donc sur tout le long. Voilà. Le rang suivant, on va venir tricoter toutes les mailles normalement. Donc même les mailles qu'on a augmentées, on les tricote donc comme notre point mousse, notre point de riz, pardon. Voilà. Le rang suivant, comme on est côté encolure, on va venir encore effectuer donc des augmentations. Donc je suis toujours sur une maille à l'endroit en premier, une maille à l'endroit, je pique dans la maille du rang précédent. Je passe mon fil devant, pardon, avant, pour pouvoir faire une maille à l'envers. Donc, je pique dans la maille du rang précédent. Je tricote ma maille à l'envers. Je passe mon fil derrière. Je reprends un fil du rang précédent. Et je tricote à l'endroit. Et ensuite, je reprends donc normalement mon point de riz. Donc, comme on a fait l'augmentation à l'endroit, on reprend normalement à l'envers. Si vous suivez bien les instructions, normalement, il ne devrait pas avoir d'erreur. Voilà, le rang suivant, on vient tricoter tout normalement, donc notre point de riz. Et on va continuer donc à répéter ces deux rangs. Donc toujours quand on est côté encolure, en début de rang, on fait nos deux augmentations. Pardon. Et on va continuer comme ça. Donc jusqu'à ce que nous ayons nos 14 cm donc pour la manche, 14 cm d'emmanchure. Donc à partir d'ici, on compte donc 14 cm et là je vous expliquerai donc pour refaire une petite augmentation pour l'emmanchure donc de l'autre côté. Donc pour l'instant vous tricotez donc en faisant bien l'augmentation donc côté encolure, donc de deux mailles
pour bien respecter le point de riz. Donc, jusqu'à ce que vous ayez 14 cm à partir de votre petit marqueur. Une fois donc les 14 ici cm tricotés, donc on va venir faire une petite augmentation. Donc, vous pouvez déjà plier comme ceci et on voit déjà donc le col V donc se former. Donc, on va venir faire une petite augmentation uniquement de ce côté-là. Donc pour l'emmanchure, et on va venir mettre donc nos deux autres petits marqueurs. Enfin, un ici et un donc sur l'autre côté qu'on fera après. Donc je suis côté encolure, donc je fais mes augmentations comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça change pas, on continue toujours les augmentations côté encolure. Donc, je fais mes augmentations côté encolure. Voilà. Je continue ensuite donc mon rang normalement. Donc je continue mon rang toujours en respectant donc le point de riz. Je continue toujours. Voilà. Et le rang suivant, donc c'est là qu'on va venir faire donc notre augmentation. On va simplement venir ajouter une maille. Donc je prends mon doigt comme ceci, je tourne et je viens donc rajouter une simple maille. Et comme c'était une maille à l'endroit avant, donc ici maintenant on commencera donc par une maille à l'envers. Et on fait bien attention de ne pas se tromper donc dans le point de riz. Donc mon fil devant et je viens tricoter donc la maille à l'envers. Je repasse le fil derrière et je reprends donc mon rang normalement. Et pour se repérer donc de notre augmentation, on prend notre petit marqueur et on vient ici donc le mettre dans la maille qu'on a augmentée. Et on va reprendre donc toujours en tricotant donc le point de riz et en faisant donc des augmentations côté encolure, toujours, pendant encore 3 cm de plus. Donc vous aurez normalement au total, depuis donc le début de l'ouvrage, donc au total, on aura 30 cm. Si je ne me trompe pas, ça, on aura 30 cm. Mais sinon, vous pouvez rajouter donc 3 cm à partir des 14 que l'on a fait ici. Donc 14, 15, 16, 17. Donc 17 cm à partir de notre première emmanchure, si vous voulez plutôt vous repérer. Et dès qu'on aura donc terminé les 17 cm, donc à partir de ici, on arrêtera donc les augmentations et on tricotera donc tout droit pour terminer donc la première partie du devant. Donc je vous remontrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, on continue donc pendant encore 3 cm de plus les augmentations uniquement donc côté encolure.
Donc une fois les 3 cm de plus effectués, donc vous pouvez calculer à partir de ce marqueur ici, donc 3 cm, vous devriez avoir donc au total, donc vous devriez avoir 30 cm. 30 cm, donc je sais pas si vous voyez, voilà. Vous devriez avoir donc 30 cm de hauteur au total. Donc ici, on a fini de faire donc les augmentations. Vous pouvez placer donc marqueur contre marqueur ici et on peut voir donc le col V qui est formé. Maintenant, on va venir tricoter donc tout droit jusqu'à ce que nous allons donc effectuer nos 3 cm donc de point mousse avec notre autre couleur. Donc c'est tout simple, on tricote tout droit simplement, donc toujours en respectant le point de riz jusqu'à ce que vous ayez 37 cm donc de hauteur au total. Donc du début ici jusqu'en haut. Donc 37 cm de hauteur totale. Dès que nous avons donc nos 37 cm de hauteur totale, on va changer notre laine et on va venir donc tricoter nos 3 cm restants donc au point de mousse. Donc là, on tricote tout à l'endroit normalement. Et si vous avez bien effectué vos augmentations, comme j'ai dit, et si vous êtes bien arrivé à vos 30 cm, donc de hauteur totale, vous devriez avoir normalement sur votre aiguille 38 mailles. Ici, donc, vous devriez avoir 38 Voilà, mailles. j'ai terminé mes 37 cm donc de hauteur totale. Donc on voit bien ici l'encolure. Voilà. Donc, et on va venir maintenant donc tricoter les 3 cm donc au point mousse en gris. Donc c'est très facile, on va venir couper donc notre laine blanche. Donc on est bien donc du côté encolure, hein. Comme vous voyez ici. Donc je viens couper mon fil blanc, je prends assez donc pour pouvoir rentrer les fils par la suite pour que ce soit plus joli. Voilà, et je vais venir prendre donc mon fil gris et je vais venir faire donc un ou deux petits nœuds. Voilà. Et maintenant, donc je vais venir tricoter au point mousse. Donc le point mousse est tout à l'endroit avec mon fil gris, donc pendant 3 cm. Donc au point mousse, tout à l'endroit normalement, pendant 3 cm. Une fois les 3 cm tricotés, donc si on voit ici le raccord de laine, ne vous inquiétez pas, cette partie qu'on voit ici, c'est l'intérieur de la brassière. Donc c'est l'envers du tricot. L'endroit, vous voyez ici, ça fait une belle bordure bien nette. Donc dès que vous avez réalisé vos 3 cm, on va venir donc rabattre toutes les mailles et on aura terminé donc la première partie du devant. Donc pour rabattre les mailles, c'est très facile, c'est comme pour tout à l'heure l'encolure. Donc c'est on tricote 2 mailles, on en prend une et on la passe par-dessus la seconde. On retricote une maille et on la passe par-dessus la seconde. Et ainsi de suite, donc sur tout le long, sur toutes les mailles. Une fois donc toutes les mailles rabattues et qu'il ne vous reste plus qu'une maille sur votre aiguille, donc on tient un peu pour agrandir la boucle, on enlève notre aiguille, on vient couper le fil mais assez loin pour après donc rentrer le fil dans la couture et on vient passer le fil donc dans la boucle et on fait un nœud et on serre. Ça va venir faire un nœud. Voilà, donc on a déjà fait donc une partie du devant. Donc, tout à l'heure, je vous montrais comme ça. Donc, là, c'est comme si la brassière était sur l'envers.
Donc quand on met la brassière donc à l'endroit comme elle doit être portée, on a ceci. Donc on a terminé la première partie du devant, donc le côté droit. Maintenant, on va venir faire donc le côté gauche qui va venir par-dessus le côté droit. Et donc la partie gauche, elle se fait exactement de la même façon donc que la partie droite. À part que arrivé ici donc à la pointe on va dire de l'encolure, on va venir faire donc trois boutonnières pour pouvoir donc la fermer. Donc ici on aura trois boutons. Donc là on va venir faire l'encolure avec les trois boutons. Tout simplement. Donc pour le deuxième côté, on vient faire exactement la même chose donc que ce qu'on vient de faire donc pour la première partie et on fait l'exaugmentation tout pareil et on s'arrête arrivé ici car je vais vous montrer comment réaliser donc les boutonnières. Donc là c'est très simple, on va venir raccorder notre fil blanc ici au bord tout simplement. Vous pouvez venir faire un petit nœud ou simplement tricoter en introduisant le fil. Donc, je vous montre comment introduire le fil. Donc, on commence par à l'envers. Donc, on prend notre fil blanc, on le met devant notre aiguille. On vient piquer la maille. On fait comme si on fait un jeté. Donc, on fait une petite boucle en passe et on tricote. Ensuite, on prend le bon fil relié à la pelote. On passe derrière notre aiguille. Le bon fil, voilà. Et on vient donc tricoter le deuxième mail à l'endroit. On repasse devant, à l'envers, et ainsi de suite. En respectant donc le point de riz comme d'habitude. Donc voilà, je vais continuer donc à faire la deuxième partie donc comme pour la première partie et arriver donc à la pointe de l'encolure. Donc après avoir terminé toutes mes augmentations, je vous montrerai donc comment réaliser les trois boutonnières. Donc voilà, j'ai fait donc la deuxième partie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai donc réalisé mes augmentations. Je suis arrivée à 38 mailles donc comme pour de l'autre côté. Et maintenant donc on va venir faire donc des petits trous donc pour faire les boutonnières. Donc pour pouvoir ensuite coudre les boutons. Donc c'est très facile à réaliser. Donc, une fois que vous avez fait toutes vos augmentations, bien sûr, et qu'on n'a pas oublié de faire notre petite augmentation côté emmanchure et d'avoir placé donc notre petit marqueur, donc je vais vous montrer comment on réalise une boutonnière. Donc, les boutonnières, moi, je vais la faire à 3 mailles du bord. Vous pouvez faire, si vous voulez, un petit peu plus loin. Mais bon, je pense que 3 mailles du bord, ça devrait suffire. Donc, moi, je vais réaliser que 3 boutonnières. Donc, je vais faire tous les 3 cm. Mais bien sûr, si vous voulez mettre un seul bouton, vous pouvez. Si vous voulez en mettre que 2, si vous voulez en mettre plus. Après, c'est comme vous voulez. Donc, moi, je vais en placer un, donc tous les 3 cm. Mais chacun fait comme il veut. Donc, pour réaliser la boutonnière, donc c'est très facile. On suit bien toujours donc l'ordre de notre point de riz donc pour que ce soit très joli. Donc je vais venir faire donc d'abord 3 mailles. 1, 2, 3. Et ici donc je vais venir faire comme un petit trou pour la boutonnière. Donc c'est très facile. Normalement ma prochaine maille je la tricote à l'endroit. Donc, je vais venir faire un jeté à l'endroit. Donc, je mets bien mon fil derrière et je viens faire un jeté.
Donc je fais un petit tour comme ceci. Et les deux mailles suivantes, je vais venir les tricoter à l'envers. Donc parce que comme la maille suivante elle est à l'endroit, mais le jeté va au prochain rang va le remplacer. Donc on n'en tient pas compte, mais on va tenir compte donc de notre maille à l'envers pour toujours bien respecter donc notre point de riz. Donc une fois notre jeté fait, on met le fil devant, on repasse le fil devant. C'est un petit peu difficile, hein. Donc mon jeté est à l'envers, attendez, hop, voilà, donc j'ai fait mon jeté comme ceci. Je l'avais fait du mauvais sens, voilà. Et je viens piquer donc les deux prochaines mailles ensemble et je viens les tricoter à l'envers. Et on verra donc au prochain rang que ça va venir créer un petit trou donc pour la boutonnière. Et ensuite donc là je reprends normalement donc. Une maille à l'endroit, maille à l'envers, et ainsi de suite, donc, tout le long. En suivant, donc, on le tricote normalement, donc j'ai commencé, hein, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. Et je vais vous montrer, donc, qu'on tricote le rang suivant, donc tout à fait à l'endroit normal, enfin à l'endroit normalement, c'est-à-dire en respectant notre point de riz normalement. Et arrivé donc au jeté que nous avons fait, on va venir le tricoter donc à l'endroit comme si c'était une maille et on reprend, donc on continue toujours normal et on tricote nos trois dernières mailles comme elle se présente donc pour le point de riz. Et vous pouvez constater donc que ça fait un petit trou pour pouvoir passer donc un bouton. Et ensuite donc je reprends mon point de riz normalement, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. Donc moi je vais faire pendant 3 cm. À 3 cm donc à partir du trou je vais refaire une boutonnière. Ensuite je vais retricoter 3 cm. Et je vais faire une seconde boutonnière. Et quand j'aurai terminé donc mes trois boutonnières, j'arriverai donc ici à la fin. Donc pour pouvoir faire mes 3 cm en gris et au point mousse. Voilà, donc là je continue. Vous continuez aussi vos boutonnières. Et dès que vous avez réalisé donc au total 37 cm depuis le début jusqu'à ici qu'on va devoir changer notre laine, il faut qu'il y ait 37 cm. Donc pour vos boutonnières, vous pouvez faire comme moi donc tous les 3 cm, donc une ici, 3 cm plus loin, 3 cm plus loin. Ou alors vous en faites qu'une ici, comme vous voulez. Donc voilà, j'ai fini de réaliser mes 37 cm. Donc j'ai fait mes 3 boutonnières comme je vous ai dit. Voilà. Et maintenant, donc il ne me reste plus qu'à tricoter donc mes 3 cm. Donc en point mousse de couleur grise. Alors on va faire attention parce que si on vient donc prendre le fil comme ici, comme sur l'endroit où on est, donc côté boutonnière, on va avoir donc la démarcation. Donc ce qu'on va faire c'est que on va venir d'abord tricoter donc un rang encore au point de riz donc en blanc et dès que nous serons donc de l'autre côté de l'ouvrage, on viendra donc insérer notre laine grise. Donc là je vais venir donc retricoter un rang normalement donc en respectant mon point de riz donc en blanc. Voilà, j'ai tricoté mon rang comme je vous ai dit. Donc maintenant je vais venir mettre donc ma laine grise. Donc c'est comme pour tout à l'heure, on vient couper donc notre fil blanc mais on prend assez de marge pour rentrer les fils donc dans la couture. On prend notre laine grise et on vient donc faire un petit nœud juste au bord de notre aiguille. Voilà.
Et donc, je viens tricoter au point mousse, donc tout à l'endroit, pendant 3 cm. On prend bien le fil relié à la pelote. Et on vient tricoter donc tout à l'endroit au point mousse. Pendant 3 cm. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 3 cm, donc 2 points mousse. Et maintenant, je vais venir abattre, pardon, toutes les mailles. Donc c'est pour comme tout à l'heure, on tricote 2 mailles et on passe la première par-dessus la deuxième. Et ainsi de suite, donc, sur tout le rang. Quand il vous reste une maille sur l'aiguille, donc on fait comme tout à l'heure, on écarte pour avoir la boucle, on coupe le fil en prenant de la marge pour rentrer le fil dans la couture, on passe donc le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Donc voilà, nous avons terminé. Donc on met à l'endroit correctement. Voilà, donc nous avons terminé la partie donc le corps de la brassière. Donc vous voyez ici il y aura les 3 boutons. Donc voilà la petite brassière.